Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo où nous allons faire un tutoriel. Et c'est un tuto qui m'a été demandé, donc on poursuit la suite des vêtements. On m'a demandé de faire un vêtement effet cuir. Et là, c'est la première fois que je vais faire ça, donc j'espère que je vais être capable de vous montrer ça comme il faut. Et on m'a aussi demandé de faire un tuto cheveux blancs. Je crois que je l'avais déjà fait sur ma chaîne, mais je suis pas certaine, donc je vais le refaire. De toute façon, j'ai trouvé un colo dans lequel je pouvais intégrer les deux. Donc, je vous montre ce qu'on va utiliser. On va utiliser des prismacolores, donc on va prendre le noir et toutes sortes de gris froid ainsi que le blanc. Donc, on a besoin que de ça pour les deux tutos. Ensuite, on va utiliser un artistron noir parce que je vais contourner bien sûr mon vêtement pour avoir encore plus l'effet noir du cuir. Si vous préférez le faire avec un Posca, allez-y avec un Posca. Ensuite, on va probablement utiliser soit du Posca blanc ou du stylo gel, bien sûr, pour contourner les cheveux blancs. Parce que si vous voulez avoir un effet vraiment blanc d'un cheveu, moi, je vous conseille vraiment de les contourner, ce qui veut dire d'effacer toute ligne noire pour vraiment avoir l'effet du cheveu blanc. Mais de toute façon, je vais tout vous montrer ça dans la vidéo. Et ensuite, pour mon vêtement, je vais utiliser quelques stylos gel pailletés argentés. J'ai sorti aussi un mauve, peut-être que je vais utiliser ça. Vous allez comprendre quand vous allez voir le colo. Et je vais utiliser probablement du liquide pearl argenté et du liquide pearl argenté et du sticule pailleté argent aussi. Donc, on va utiliser le livre de Annaline qui est Whimsical Holiday. Donc, vous savez que j'essaie de l'avancer le plus possible. Donc, j'ai repéré un colo dedans qui s'apprêtait bien pour le tutoriel. Donc, on va faire ça tout de suite. On va passer plein bureau. Donc, nous revoilà avec le coloriage en question. Bien sûr, j'ai fait tout mon colo. J'ai fait ma base au feutre alcool. Je fais toujours ça pour mes analines. Donc, je vous montre un petit peu. Hein, j'en ai utilisé beaucoup. Donc, voilà. Et on va commencer tout de suite. J'ai tout sorti, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va commencer par le vêtement. On va commencer tout de suite parce que, comme je vous dis, c'est la première fois que je vais faire un effet cuir. J'espère que je vais réussir. Je me suis dit, je vais filmer comme ça. Ben, si ça fonctionne, je le pose. Si ça fonctionne pas, je le pose pas. Donc, voilà. Là, j'ai tourné ma feuille. Ça me dérange. Bon, c'est pas important. Donc là, bien comme je vous ai dit, je vais utiliser les prismacolores. Donc, on va y aller tout de suite avec le noir et je vais utiliser le numéro 935. Et ça, hein, c'est du noir. Donc, allez-y avec votre préféré. Moi, je sais que les prismacolores fonctionnent bien sur le papier Amazon puisque les livres de Annaline sont tous avec du papier Amazon. Sinon, ben comme je vous ai déjà dit dans des vidéos précédentes, vous pouvez aller sur le site d'Annaline. Je vais vous le mettre en barre d'infos parce que je crois que j'oublie souvent de vous le mettre. Mais là, je vais vous le mettre si jamais vous avez envie d'aller visiter sa boutique et que vous avez envie de vous procurer une édition artiste. Je vais vous montrer une édition artiste, de quoi ça a l'air. Et c'est du bien meilleur papier. Par contre, le livre que je vous montre, vous pouvez plus vous le procurer. C'était de Best of Annaline et moi, je l'avais eu dans un enchère que Annaline avait fait sur son groupe. Donc, vous pouvez plus vous le procurer, mais elle en a d'autres de ses livres qui sont offerts en édition comme ceci, avec une spirale. Et c'est du bien meilleur papier qu'il y a dedans. C'est du papier épais, plus lisse. C'est vraiment pas le papier Amazon. Là. Je vais vous montrer, là. Je vais essayer de vous faire entendre. Vous voyez, c'est beaucoup plus... c'est sûr que c'est de meilleure qualité que ceux d'Amazon, mais moi, comme je vous ai déjà dit, le papier Amazon ne me dérange pas. J'utilise des crayons qui vont bien dessus et ça fonctionne. Donc voilà. Mais sachez que vous avez quelques-uns de ces livres qui sont offerts en édition artiste. Donc, je vous mettrai ça en barre d'infos et vous irez zioter. Voilà. Donc là, on va commencer, hein, parce que moi, je fais plein de blabla et mes vidéos durent toujours une éternité. Donc, je vais commencer par contourner et dégrader tout mon tour. Je vais me garder, dans le fond, ma lumière dans le centre de chaque morceau. Comme là, c'est sûr que ça va peut-être être différent sur... sur un autre vêtement,
Mais je crois que je procéderai de la même façon. Je ferai le tour du vêtement et je garderai le centre plus pâle. Donc là, tout ce qui est contour, vous voyez, je contourne et j'appuie. Et quand j'arrive dans le centre du vêtement, je vais vraiment relâcher la pression et dégrader doucement. Donc, j'essaie de faire un dégradé assez foncé quand même parce que le cuir, hein, c'est assez foncé. On ne veut pas avoir trop de blanc dedans. Mais on va quand même se garder un reflet parce que du cuir, c'est reluisant. Donc là, comme je vous dis, c'est la première fois que je fais ça. J'espère que ça va fonctionner. Dans ma tête, ça fonctionne, mais des fois qu'on veut le mettre sur le papier, c'est une autre histoire. Mais bon, on va tenter de faire quelque chose qui a de l'allure. Je suis allée regarder aussi un petit peu des photos hein, sur Internet pour m'inspirer. Parce que comme je vous dis, étant donné que je n'avais jamais fait ça, il fallait que j'aille voir un petit peu de quoi ça avait l'air. Et d'après ce que j'ai vu, c'est qu'un vêtement de cuir noir, ben, ça va être vraiment très très foncé et avec quelques petits reflets gris blanc. C'est pas blanc blanc, c'est genre un gris. Je vous mettrai à l'écran l'image dont moi je me suis inspirée pour faire le colo. Et on verra si j'aurai atteint un résultat semblable. Donc là, comme vous voyez, hein, je contourne le vêtement et j'appuie sur le crayon. Et vraiment, quand j'entre dans le vêtement, ben là, je vais relâcher, mais pas trop pâle. Juste assez pour pouvoir venir intégrer du gris, parce qu'on va servir un petit peu du gris. Mais on va vraiment essayer de remplir une grande zone. On ne va pas se garder un gros point de lumière. Parce que d'après ce que j'ai vu sur les vêtements de cuir, c'est vraiment des tout petits reflets qu'on a. Donc, on va essayer d'aller chercher cet effet-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme à l'habitude, hein, continuer. Parce que là, je vais faire la même façon de chacun des petits morceaux de vêtements. Et là, je me suis amusée un petit peu à rajouter un morceau de peau ici. Parce que moi, je crois qu'Annaline, elle avait fait pour que ce soit un saut complet. Là, juste faire attention à si vous prenez le noir des Prismacolor, faites attention de ne pas trop accrocher parce que c'est certain qu'il va s'étendre. Donc, armez-vous de votre gomme, vous allez en avoir de besoin, c'est certain. Là, je vous dis de ne pas faire ça. Je le ferai pas non plus. Je vais utiliser mon petit pinceau. Donc, pour qu'est-ce que je disais là? Je suis tout mélangée encore. Ouais, c'est ça. Je me suis amusée à faire ça. Je vais vous montrer. De toute façon, je vais faire tout le vêtement avec vous, mais je vais vous montrer ce que j'ai en idée. Je vais pas le laisser comme ça. J'aurais pu, mais j'ai une idée. C'est pour ça que j'ai mis de la peau à ce niveau-là. Mais je crois qu'Annaline, elle avait fait le dessin pour que je sois un saut complet. Moi, j'aime bien modifier les Annalines, ça m'amuse. Donc là, comme vous voyez, je reprends mon noir. Et là, je trouve que l'espace ici, le blanc, il est trop gros. Parce que d'après ce que j'ai vu, c'est pas autant, on n'a pas un si gros reflet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer plus large. Je fais pas juste le contour, vous voyez, j'ai élargi et je vais dégrader encore. Mais j'y vais graduellement pour pouvoir bien contrôler l'éclat que je vais laisser sur mon vêtement. Donc, je repasse et je viens dégrader. Mais j'essaie de garder les endroits là, bien, bien noirs. Parce que le cuir, c'est noir, noir. C'est pas gris. C'est juste notre reflet qui va avoir du gris dedans. Donc là, je vais faire la même chose sur chaque morceau du vêtement. Je vais probablement... Je sais pas, faudrait que vous me dites en commentaire, est-ce que vous trouvez ça trop long quand que je vous montre tout le vêtement ou vous aimeriez mieux, mettons, que je fais une petite partie et je fais le reste hors caméra et je vous reviens. Je sais pas trop. Moi, dites-moi ça en commentaire, comme ça je vais savoir pour les prochaines fois si, mettons, je fais un morceau, après ça je coupe et je vous reviens quand j'ai tout terminé ou vous aimez bien voir en avance rapide ce que je fais, même si c'est un peu répétitif, parce que je vais procéder de la même façon un peu partout, mais je me dis que pour le reflet, c'est peut-être bien que vous le voyez tout, parce que si vous voulez savoir où est-ce que je vais placer mon reflet, ben, puis de la façon que je vais l'amener,
je suis peut-être mieux de vous le montrer en vidéo plutôt que de le faire hors caméra. Alors, dites-moi ça en commentaire, comment vous préférez. Est-ce que ça vous dérange que les vidéos soient longues? Parce qu'à chaque fois que je fais des tutos, je m'en sors jamais en bas d'une heure. Donc, voilà. Donc là, je vous laisse en avance rapide. Vous allez pouvoir voir où est-ce que je vais décider de mettre mes reflets. Là, ici, je vais le laisser comme ça. On va venir travailler avec le gris par la suite, mais je vais compléter un peu tout le reste. Donc, je vous reviens après. Donc là, pour ce qui est de cette partie-là, même chose, hein, je ne vais pas me laisser un grand endroit comme ça blanc pour faire mon reflet. Je vais le faire plus petit parce que sinon, je n'aurai pas l'effet du cuir. Donc, je vais encore une fois élargir mon noir et dégrader vers l'intérieur jusqu'à ce que j'ai un plus petit reflet qui me plaît. Donc, je vais laisser ça comme ça pour le reflet du bustier. Donc, on va continuer. Hein, on va faire le reste. Et je crois que je vais faire un petit reflet. Ici, je vais peut-être le faire autrement. Mettons, je vais faire un petit reflet comme ça. Et je vais repartir dans le foncé après. Comme ceci. Et je vais remonter. Vous voyez que... Là, j'ai mis foncé ici. Je vais me faire qu'un mini reflet ici. Et là, je vais faire un reflet plus sur le long. Donc, je vais encore une fois contourner. Mais je vais faire un peu moins large pour avoir un reflet vraiment tout le long de son corps, comme ça. En long. Hein. Vous allez voir plus en image, là, parce que là, je ne sais pas trop comment vous expliquer ça. Je vais faire des genres de reflets comme ça. Donc là, je m'assure que le reste est bien foncé. On ne veut pas qu'il reste de blanc. Parce que sinon, si on laisse du blanc, on va avoir l'impression que c'est plus comme en suède ou en velours. Si on veut l'effet cuir, ça doit être vraiment noir, noir. Là. Il ne doit pas nous rester de grains de papier. Donc, on va venir compléter par la suite où est-ce qu'il y a des reflets. Donc là, pour ce qui est d'ici, ça me plaît bien comme ça. Je vais peut-être en rajouter un petit peu ici. Et je vais laisser mes reflets comme ceci. Ensuite, on continue. Là, je vais plutôt me faire un reflet. Je vais partir vraiment foncé sur ce côté-là. Et me faire un reflet comme pas vraiment dans le milieu, mais un petit peu plus par là. Donc... Je ne vais pas mettre trop noir sur ce côté-ci, mais sur l'autre côté, je vais en mettre plus. Vous voyez, je l'ai fait un peu plus petit. Donc, on va faire l'autre petit morceau ici.
Là, je vais me faire... comment je vais faire le reflet? Je vais plutôt faire un reflet sur la jambe. Et peut-être un petit reflet de rien ici. Dans le haut. Je ne veux pas trop gros à ce niveau-ci, donc on va faire comme juste une ligne, comme ceci. Là, on va venir compléter. Je vous conseille aussi d'utiliser un crayon gras. Je trouve que ça va mieux pour faire cet effet-là. Et aussi un crayon bien, bien noir. Pas un crayon qui va pas vous donner un noir pur. Parce qu'il y a des crayons. Au début, je voulais le faire au polychromos. Mais j'ai changé d'idée parce que, justement, je savais que le noir des Prismacolor allait me donner vraiment l'intensité de noir que je voulais. Et au polychromos, ça aurait été vraiment trop long parce que on peut pas vraiment... appuyer sur les polychromos, mettons. Si vous avez des drawings, j'aurais pu utiliser aussi celui des drawings. Ça aurait été super bien. Donc ça, ça pourrait fonctionner. Même celui des Castellar Supply, si vous avez celui-là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Mon Québécois qui ressort. Ben, pas le choix, hein, à prendre Québécois, la fille. J'essaie de bien parler en vidéo, quand même. Mais, prenez un crayon gras. Si je peux vous donner un conseil, que ça ne vous prenne pas une éternité et que vous ayez un beau noir opaque, ben, je pense qu'avec un crayon gras, c'est beaucoup mieux. Juste faire attention de ne pas frotter le colo, parce que c'est certain, le noir, ça s'étend. Donc, il faut faire attention à ça, mais on peut toujours effacer. Ça, il n'y a pas de problème, mais utilisez plutôt un petit pinceau comme ça. Moi, je l'utilise pas souvent. Je devrais l'utiliser plus souvent. Mais c'est sûr que ça, c'est beaucoup mieux que de frotter avec la main parce que ça va s'étendre partout. Surtout celui des Prismacolor. Donc là, vous voyez, hein, je fais pas un gros reflet sur la cuisse. Je vais faire que ça. Pour garder quand même la forme du vêtement. Parce que si j'aurais tout rempli ici, ben on n'aurait pas trop compris comment que sa jambe était. Donc, j'ai suivi dans le fond, son corps. Et ici, du même côté, vous voyez, j'ai suivi son corps quand même pour faire les reflets. Parce que d'après ce que j'ai pu voir en photo sur les vêtements de cuir, c'est un peu de cette façon que les reflets sont ressortaient sur les photos. Ça suit la courbe du corps, au fond. On sait que le cuir, c'est un vêtement qui est quand même assez ajusté. Donc, ben c'est pour ça qu'il faut quand même suivre la courbe pour faire nos reflets. Donc, peu importe comment votre vêtement va être, suivez la courbe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Puis, de toute façon, à chaque fois que je vous fais les tutos, j'ai tout le temps l'impression que c'est pas clair, puis vous me dites que vous avez compris. Donc, c'est peut-être moi qui est trop exigeante, je sais pas. Mais bon. Alors là, pour l'instant, ça me plaît bien comme ça. Je trouve qu'on commence à avoir l'effet cuir. Mais là, on va venir se rajouter un peu de gris. Parce que, comme je vous dis, je me fie à ce que j'ai vu. Donc, est-ce que j'utilise celui-là ou celui-là? Je crois que je vais y aller avec lui pour commencer. Celui-là, c'est, je reste dans les Prismacolor, hein, je vais tout faire au Prisma. C'est le 50% gris froid et c'est le 1063. Et un autre petit conseil, prenez des gris froids, ne prenez pas des gris chauds. Parce que les gris chauds ont une petite teinte de brun et ça ne fera pas beau dans le cuir. Donc, allez-y avec des gris froids, peu importe les crayons que vous allez utiliser. Donc, là, je les guise. Hein. Comme à l'habitude, je n'aiguise jamais mes crayons. Donc là, je vais dégrader. Là, je ne vais pas appuyer sur mon crayon parce que je ne veux pas pâlir mon noir. Je veux juste l'amener à me créer un reflet dans mon vêtement. Donc, je vais juste
effleurer jusqu'à ce que tout soit bien fondu, qu'il ne me reste pas de grains de papier. On essaie. Au pire des pires, ce qu'on va faire, si on n'arrive pas à enlever le grain du papier, on va utiliser un blender. Le blender, surtout si vous coloriez comme moi sur le papier Amazon, des fois c'est très difficile d'enlever le grain du papier. Donc, on va utiliser un blender si on n'y arrive pas. Donc là, vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup, hein. Je trouvais que ça commençait un peu trop à pâlir mon noir. Si au besoin, on reviendra avec le noir par la suite. Mais là, on veut remplir l'espace pour se créer un reflet dans notre cuir. Donc là, on va dégrader tout ça avec notre gris. On se garde du blanc, hein, parce qu'on va utiliser le blanc aussi. Je crois bien qu'on aura peut-être pas le choix de revenir avec le noir, parce que là, j'aime pas trop ce que ça fait, le taux gris. Mais si je mets pas de gris, je vais avoir la difficulté à intégrer le blanc. Donc, je mets juste pour dire une petite teinte de gris qui va me permettre de venir intégrer mon blanc à tout ça. Donc, je vais juste sur les rebords, j'essaie le plus possible de me garder du blanc à l'intérieur de mes reflets. Et là, je vais y aller avec le blanc. Où es-tu? Il est ici. Et c'est le blanc des Prismacolor. Et là, on va tout remplir. Là, j'appuie hein, quand même pour m'enlever le gris. Retravailler avec le noir. Je vais voir ce que ça me donne. Et juste pour bien fondre, je vais reprendre mon noir par la suite. Là, je vais mettre mon blanc comme ça. Je vais un peu promener ma couleur jusqu'à avoir quand même un résultat assez uniforme, bien fondu. Donc là, je vais laisser ça comme ça, mais je vais revenir avec le noir par la suite. Donc, je vais faire la même chose sur chacun des reflets. Vous voyez, je pars un peu où est-ce que j'ai mis mon gris et je vais vers l'intérieur. Si au besoin, vous pouvez toujours nettoyer votre blanc entre-temps pour pas qu'il y ait trop de gris, pour pas que le reflet devienne tout gris. Parce que les Prismacolor ont une belle capacité à promener la couleur. Donc, vous pouvez l'étirer comme vous voulez. Mais là, on ne veut pas que notre reflet devienne trop foncé non plus. Donc, on va nettoyer le blanc entre-temps. Vous voyez, il est comme gris là. Quand je nettoie ici sur ma feuille, je viens de nettoyer. Pour me garder mon reflet intérieur vraiment pas trop blanc pur, mais quand même. On ne veut pas que ça devienne gris. N'inquiétez-vous pas, on ne va pas laisser ça comme ça. On va venir prendre le noir. Là, ça ici, c'est sûr qu'on a de la difficulté à le garder blanc parce que c'est tellement petit que c'est certain que le noir va s'en mêler un peu. Mais on voit quand même qu'on a un reflet blanc. Même chose pour le reste, on passe partout. On pourrait toujours utiliser, bon, je sais que c'est pas tout le monde qui les a, mais ceux qui les possèdent, si vous avez les Old Bang, vous avez le Soft White, on pourrait l'utiliser pour venir refaire nos reflets. Je vais vous montrer ce que ça donnerait, parce que je vais l'utiliser. Mais je sais aussi qu'il y a Staedtler qui ont sorti, moi je les possède pas, mais il y a Staedtler qui ont sorti des crayons... C'est Lumocolor et j'ai entendu dire que le blanc dedans était assez puissant et qui faisait à peu près le même effet que le Soft White des Old Bane. Donc, si vous êtes capable de les trouver, moi je les ai pas trouvés ici au Canada, ces crayons-là, j'aurais bien aimé. Mais c'est un paquet de 6, je sais que vous avez du blanc, du noir, du bleu et du rouge dedans, je sais pas trop c'est quoi l'autre couleur, je crois que c'est jaune. Là, je reviens avec mon noir. Pour bien fondre tout ça, parce que je veux pas un trop gros reflet. Je veux pas avoir un spot de gris. Je veux que ça aille juste comme si mon noir reflétait. Et là, j'appuie pas sur mon noir. Je viens juste fondre. Donc, voilà ce que je disais, c'est que, ouais, il y a les Staedtler, Lumocolor, et les gens disaient que, d'après ce que j'ai vu en vidéo, là, que le blanc était assez spécial.
Mais là, moi, je peux pas vous mettre le lien en barre d'infos de ces crayons-là parce que je les ai pas trouvés ici. Moi, j'ai regardé pour les trouver, puis ils sont pas disponibles sur Amazon Canada. Donc, peut-être en France, vous allez trouver. Là, je reviens avec mon blanc. Je vais refaire mon petit reflet. Au fond, je vais travailler jusqu'à ce que j'aime le résultat. Donc voilà, alors ça pourrait peut-être être une alternative pour ceux qui n'ont pas les Old Bane et qui n'ont pas envie d'investir dans ces crayons, parce que c'est sûr que c'est des crayons dispendieux, hein, on se le cachera pas. Mais le soft white là, des Old Bane est vraiment magique. Je vais vous montrer ce que ça donne, mais je pense que si vous avez les Staedtler, le Mucolor, essayez le blanc dedans. Ça pourrait peut-être fonctionner pour ce que je vais vous montrer par la suite. Mais sinon, c'est tout à fait réalisable hein, de faire avec juste les prismas, là, comme je fais en ce moment. C'est juste que moi, je vais aller chercher encore un peu plus de lumière avec mon soft white. Donc là, je reprends mon blanc. Je vais travailler avec les deux. Faire la même chose ici, mais là, je vais avoir de la difficulté parce que c'était pas très large. Donc, je vais appuyer hein, sur mon blanc. Je vais faire la même chose ici. Je reviens pas avec le noir pour cet endroit-là. Mais vous allez voir que avec le soft white, c'est magique. Même que je crois que si vous avez envie de vous procurer que le soft white, des Old Bane, je crois que c'est faisable. Il me semble bien qu'on peut l'acheter. Je l'ai vu, il me semble, à l'unité sur Amazon Japon. Et il y a un autre site aussi là qu'on m'a parlé pour acheter des crayons. Jackson Import, ça se peut-tu quelque chose comme ça? Ceux qui le savent, écrivez-le un commentaire, peut-être ça pourrait aider les autres. Moi, c'est des abonnés qui m'avaient parlé de ça. J'ai toujours pas commandé encore sur Jackson, mais je me rappelle jamais du nom du site exact. Mais s'il y en a qui le savent, écrivez-le en commentaire, s'il vous plaît. Des fois, ça peut aider d'autres gens. Et là, je sais, je suis encore en retard dans mes commentaires. J'arrive pas à reprendre le dessus de cela. À part mes deux dernières vidéos que j'avais sorties, j'ai répondu tout de suite aux commentaires. Je me suis dit, on n'accumulera pas sur toutes les vidéos, là. Fait que j'ai répondu tout de suite, mais je pense qu'il y a d'autres commentaires qui se sont ajoutés et j'avais pas eu le temps d'aller répondre. Je suis vraiment pourrie pour ça, là, répondre. Je les lis toutes, hein, les commentaires, mais. Premièrement, mon ordinateur, si vous verriez le clavier, je pense que vous auriez pitié. Mon clavier est tout brisé, il me manque des touches dessus, donc quand j'essaie d'écrire, c'est l'enfer. Et je peux répondre avec mon téléphone, mais à moitié du temps, mon téléphone, quand j'essaie de répondre aux commentaires YouTube, il me dit impossible d'envoyer erreur, impossible d'envoyer le commentaire. Je sais pas pourquoi. Puis là, ça me fâche parce que des fois, j'écris des longs commentaires. Puis là, quand je viens pour le publier, ils me disent non. Là, ça me fâche. Fait que des fois, j'arrête. Puis, ben, comme je vous dis, mon ordinateur, le clavier, il fait dur. Il manque au moins 5 ou 6 touches. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai de la difficulté. Mais ne vous inquiétez pas, hein, j'adore lire vos commentaires. Je les lis toutes. Et puis, quand je mets des petits cœurs, là, c'est parce que je les ai lus. Mais dernièrement, j'ai été pas pire. J'ai réussi à répondre à pas mal de gens. Sinon, ben, je tiens encore mon idée de faire une vidéo pour reprendre tout le retard de mes commentaires. Mon mari est en train de me checker quelque chose pour essayer de faire quelque chose d'intéressant pour vous. Pour justement répondre aux commentaires de ceux que j'ai pas répondu. Là, comme vous voyez, hein, je retravaille avec mon noir, je retravaille avec mon blanc. Donc là, comme ça, moi, je crois que ça pourrait être bien. Donc, si vous n'avez pas le fameux soft white ou celui de Staedtler, ben, vous pourriez laisser ça comme ça. Moi, je trouve que ça donne l'effet cuir. Vous me direz ce que vous en pensez. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne avec le soft white.
parce que j'ai envie d'aller chercher encore un petit peu plus de luminosité. Donc là, je vais prendre ma trousse d'eau bain. Et j'adore le crayon Sofort, moi. Je suis toujours en train de l'utiliser. Il a diminué un peu. Et j'ai testé quelque chose parce que, vous vous rappelez, quand j'avais reçu mes old bains, voyons, on sait qui. Il doit être dans le troisième zip. Quand j'avais reçu mes old bains, je vous disais, ah, ça m'embête parce que sur le Soft White, c'est écrit Use knife to sharpen. Dans le fond, ils nous disent utiliser un couteau pour aiguiser. Et là, moi, je vous disais, ah, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai peur de briser le crayon. Donc, moi, je n'ai pas utilisé de couteau pour l'aiguiser. Je le mets directement dans mon dalle 133. Ce que je fais, c'est que je fais juste lui donner un ou deux petits coups de l'aiguisoir. Je vais pas jusqu'au bout, jusqu'à ce que la manivelle tourne dans le vide. Là, je vais le nettoyer parce qu'il est sale. J'arrive très bien à l'aiguiser et j'ai, à date, aucune mine qui a brisé. Donc, si vous avez pas envie d'utiliser un couteau, moi, j'ai une tête dure, puis je me suis dit, je vais l'essayer dans l'aiguisoir parce que je vais pas prendre un couteau. Ben, ça fonctionne. C'est juste qu'il faut pas aller jusqu'au bout. Mettez-le pas pointu, ça sert à rien, il va se briser. Moi, je vais juste comme le rajouter de la mine avec mon dalle. Et je le nettoie régulièrement, ne vous inquiétez pas, je sais que le Soft White est très gras. Donc, quand j'utilise le Soft White dans mon dalle, que je finis mon coloriage, j'ai toujours nettoyer mon aiguisoir par la suite. Donc là, vous voyez, je fais juste quelques petites lignes avec le Soft White et vous voyez, c'est beaucoup plus marqué, on dirait. Et là, je vais reprendre ici où est-ce que j'avais laissé mon petit endroit de lumière. Je vais faire la même chose ici. Mais je reste quand même dans le centre pour regarder quand même du gris. Donc ça, comme je vous dis, hein, c'est vraiment pas obligé de le faire si vous n'avez pas le crayon. Là, c'est pas grave, c'était beau quand même là, comme il était. Là. On voyait que... Ben moi, en tout cas, je trouve que ça fait un effet cool. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, comme je vous dis, j'ai jamais fait ça. Je suis satisfaite. Donc là, on va compléter le vêtement hein, pour avoir vraiment l'effet. Là, je vais juste passer mon pinceau par-dessus où est-ce que j'ai mis le Soft White, parce que moi, je vois que ça fait des traces. Donc, une fois que le pinceau est passé, ben, on a un effet bien reluisant. Ça en enlève toutes les traces de crayon. Vous voyez? Il n'y en a plus. Donc là, je vais utiliser mon stylo... pas stylo gel, mon... voyons, Artistro noir. Si vous préférez prendre un Posca, allez-y. Hein? Moi, c'est juste que je préfère les Artistro au Posca. Donc, et puis de toute façon, mon Posca noir, il est vide, donc je ne peux pas l'utiliser. Donc, je vais prendre le Artistro. Vous voyez ce que ça a fait sur mes autres morceaux? Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça a comme tout taché. C'est ça que je vous dis, le noir, là, c'est compliqué à utiliser, mais vous pouvez l'effacer. Hein. Mais moi, je ne l'effacerai pas, là, ça ne sert à rien, parce que je vais faire tout ça au stylo gel. Donc, ça va passer par-dessus. Mais si, mettons, vous voulez mettre une autre couleur, c'est que je vais contourner tout mon vêtement. Tout ce qui est endroit noir, je vais le contourner. Ça va me donner encore plus un effet de noirceur. Et je crois que ça va me donner un effet encore plus cuir. Donc, tout ce qui est noir, je le contourne. Dans le fond, je repasse mes lignes pour avoir des lignes bien, bien noires. Donc, je vais faire ça partout.
Donc voilà, alors là j'ai tout contourné, je vais laisser ça comme ça. Et là, ben, je vous avais dit, hein, j'avais une idée ici. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais contourner, encore une fois. Je vais contourner tout ce qui est... je vais reprendre les lignes au fond. Ensuite, on va faire autre chose. Je ne sais pas si vous avez deviné l'effet que je veux faire. Je vais juste reprendre un petit peu de peinture. Il n'y en avait plus. Donc là, ce que je veux faire, on pourrait le laisser comme ça. On pourrait juste aussi venir prendre notre noir et faire un... juste pour dire une petite couche fine pour nous donner l'effet qu'elle a un filet ou un... Vous savez, des fois, dans les vêtements, on a un vêtement noir puis on a comme un effet de transparence dedans. C'est comme juste un... Je sais, c'est pas de la soie, mais c'est quoi ce tissu-là? On voit au travers, en tout cas. Faut mettre, mettons, une camisole en dessous. Donc là, ce que je veux faire, c'est pas ce que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est l'effet bonne nylon. Vous savez, les bonnes nylon, là, vous voyez, je vais faire des lignes comme ceci, un peu en diagonale. Je vais suivre le vêtement. Donc, je vais tout faire ça partout. Et moi, je m'amuse comme une folle à modifier... les analyses comme ça de temps en temps. J'aime bien rajouter des trucs dans les vêtements. Si vous vous souvenez de ma mariée, là, j'avais rajouté un morceau à la robe. J'avais rajouté une genre de dentelle dans le haut. Je m'étais amusée aussi dans le voile à rajouter de la dentelle. Donc là, je sais pas, j'avais envie de faire ça dans mon vêtement. Donc, je pourrais le laisser comme ça. Ça aussi, ça pourrait être une option. Ça pourrait être beau. Mais moi, ce que je veux faire, c'est vraiment l'effet d'un bas. Vous savez, vous voyez là, hein, où est-ce que je veux en venir? C'est ça que je veux faire. On va faire ça partout. Et surtout mon vêtement. J'essaie le plus possible aussi de ne pas m'arrêter. De faire des lignes continues et le plus droite possible. Je fais mon possible. Je fais mon possible. Oups! Vous voyez, j'ai pas fait comme vous. Ah! Mais juste de dire, il faut que je fasse attention. Puis... Bon, c'est pas grave. Donc, c'est ça que j'avais envie de faire, moi. Vous direz ce que vous en pensez. Mais je suis pas certaine. Peut-être j'aurais dû quadriller dans l'autre sens. Je sais pas, hein? C'est ça qui me dérange, le fait qu'ici soit plus large. Est-ce que je devrais les reprendre un peu pour que ce soit tout égal? Je pense que j'aurais pas le choix. Parce que ça me fatigue. J'aurais peut-être pas dû y retoucher. Je suis en train de faire ça tout croche. Ah!
Ouais, je pense que c'est mieux de pas y retoucher. Là, ça sort pas comme je voulais. Je vais reprendre mes lignes pour qu'il soit plus large, parce que sinon ça fait bizarre. Si vous voulez faire cet effet-là, peut-être prendre une règle. Une petite règle, là. Mettons de 10 cm, je sais pas. Et là, mon artistro, je sais pas ce qu'il y a, mais il va mal en plus. Allez, là, fonctionne, on a presque terminé, hein. Bon. Pas ta job à moitié. Je l'ai utilisé souvent, hein? Il ne reste plus beaucoup de peinture dedans. Je sais pas si on peut juste acheter des artistro noirs. Je pense qu'ils viennent avec les blancs, mais j'aime pas les blancs des artistro. J'arrive pas à les faire fonctionner, même si je l'ai brassé pendant quasiment une demi-heure, il marche pas, on dirait. Bon, je vais laisser ça comme ça, là, avant de tout maganer, hein, des fois, mieux vaut s'arrêter là. Là, je me demande si je pourrais peut-être pas y en rajouter ici, puis peut-être là, comme ça, il y aurait un gant qui... voyez, je m'amuse souvent avec les analines à faire ça. Habituellement, en plus, je rate jamais quand je fais ça. Je fais toujours des belles lignes. Là, je veux le faire en vidéo, je le rate. Que voulez-vous? Je vais y rajouter un petit gant. Donc là, je vais me faire deux petits morceaux, à peu près de la façon que je... la grandeur que je voudrais mon gant. Et je vais... Là, je sais bien, hein, je vous ai dit, on fait un tuto cuir, mais j'ai envie de vous montrer tout le vêtement, tant qu'à faire. On va faire les cheveux blancs ensuite. Hein. Là, est-ce que j'en laisse juste dans le bas pour faire comme si... Non, on va en mettre... On va en mettre... Est-ce qu'on le coupe ou on fait toute sa main? J'hésite, j'hésite. Donc, je vais en mettre ici pour commencer. Assurez-vous que c'est bien sèche aussi pour ne pas s'accrocher dedans. Vous voyez, lui, je l'ai bien réussi. J'aurais aimé bien réussir sur le reste, là, mais bon. On va faire, je vais faire toute sa main. Mais je vais faire que ça s'arrête ici, à moitié des doigts. Et le pouce, mettons, comme ça. Donc là, je vous montre un peu comment je fais mes gants. Parce que je rajoute souvent des gants comme ça dans mes analyses. Donc là, je suis la même façon que je l'ai quadrillé, hein. Ben, quadrillé. Est-ce que c'est quadrillé? Je sais pas. Le même sens, dans le fond. Parce qu'on veut que ce soit comme si le gant se continuerait. Et là, pour le gant, je vais faire un peu plus large ici pour faire comme si c'était, vous savez, la couture. Voilà. Et on va faire la même chose dans le bas. Un peu plus large. Hein? Un beau gant. Je vais élargir un peu l'extérieur. Et je vais aussi contourner la petite boucle d'oreille en noir. Et je vais mettre du sticule à l'intérieur. Donc voilà pour ça. Là, on va utiliser les stylos gel et je vais prendre du stylo gel pailleté. Je vais utiliser mes Sparkle Pop argentés. Et je vais faire...
remplir le premier ici. Tout au complet. Je vais pas. Ça m'amusera pas à dégrader du stylo gel là, hein. À l'autre côté. Deux rebords et à l'intérieur, je vais croire que je vais mettre un autre stylo gel. Je vais y aller avec du mauve. C'est ce que je vais faire. Moi, j'adore ces stylos gels-là. Ça fait souvent hein, que je vous le dis. Ils sont tellement bien pailletés. Et je vais rajouter du sticule, hein. Ça, c'est certain. J'y mets toujours les sticules. Et je vais probablement aussi utiliser du liquid pearl métallique argenté aussi. Vous allez voir ma petite idée que j'ai. Elle m'inspirait beaucoup celle-là, cette petite analyne-là. L'autre à côté, un peu moins. Et là, je me suis trompée de marqueur alcool quand j'ai fait ses lèvres. J'ai trop foncé. Donc, j'espère qu'en mettant le crayon, je vais réussir à pâlir ça un petit peu. Mais j'ai dans l'idée de faire la princesse Belle. C'est pour ça que je lui ai mis sa robe jaune, comme ça. Et je trouvais que ça s'agençait quand même assez bien avec mon idée que j'avais pour la petite poupée d'à côté. Et ben moi, j'avais envie de faire comme si c'était vraiment le kiosque d'elle et qu'elle venait la visiter. Parce que ça, c'est le dessin des Comic-Com. Comic-Com? Je sais pas trop comment le dire. Et ben moi, j'avais l'impression que c'était son kiosque à elle et non celui-là à elle. Donc, pour ce qui est de ça, là, les rideaux derrière, c'est sûr, je vais venir travailler avec des crayons. Mais je vais mettre tout plein d'étoiles sur le rideau. Donc, je pense que ça pourrait bien faire ressortir les personnages. C'est un peu comme ça que je m'enligne pour ce dessin. Et vous pourrez le voir terminé sûrement dans la Bancolo d'Azur parce que je crois bien que je vais le publier. Et je n'ai rien publié encore du mois dans la Bancolo d'Azur. J'ai rien publié sur Instagram. Donc, toutes les colos que j'ai fait, ben vous ne les avez pas vues. Honnêtement, j'ai pas vraiment eu le temps non plus d'aller publier. Là, mes enfants ont recommencé l'école, donc c'est de se remettre dans la routine aussi. On était tellement bien quand on était en semaine de relâche. Mais bon, hein, c'est la vie. On n'a pas le choix. Il va falloir reprendre la routine. Il y a mon mari qui a recommencé à travailler de nuit aussi. Donc, c'est certain que quand il était là le soir, il pouvait m'aider un petit peu. Mais là, il n'est pas là. Parce que il fait des journées de 10 heures. Donc, c'est certain que... Il part à 4h de l'après-midi ou 5h du matin. Et certain qu'il n'est pas là pour m'aider avec les enfants. Et là, je ne sais pas pour combien de temps qu'il va avoir son chiffre de nuit. Est-ce que ça vous intéresse de quoi je vous parle? Je ne sais même pas. Je ne sais pas de quoi vous parler. C'est pour ça souvent aussi hein, que je vous fais de l'avance rapide parce que sinon j'ai l'impression d'être plate. Puis voilà. Puis ça, c'est fatigant hein, que je dis tout le temps ça. Voilà. C'est un tic. Je vais arrêter de dire ça. Quand j'écoute mes vidéos, je suis comme, pourquoi tu dis ça? Arrête de dire ça. Donc là, vous voyez, hein, je m'amuse à remplir au stylo gel et je vais rajouter du stickle par la suite, par-dessus ça. Ou peut-être que je vais juste faire des lignes et garder l'intérieur en stylo gel. Ouais, je crois que c'est ça que je vais faire. Et là, on va venir mettre un petit peu de stylo gel mauve. Je pense que ça pourrait être beau. Pour ce qui est de son zip, je vais le mettre tout en stylo gel aussi. On a l'impression qu'il est tout beau, tout brillant. Et là, pour ce qui est des cheveux, là, je vous ai dit que j'allais vous faire les cheveux, hein? Bien sûr. Je vais vous faire quelques mèches. Je ne vais pas faire toute la chevelure. Hein. Ça ne servira à rien. Ça va être toujours pareil. Et vous allez voir que c'est tellement simple de faire des cheveux blancs. OK.
que vous n'avez pas besoin de voir toute la chevelure, là, vous allez comprendre. Je vais vous faire, mettons, comme toute la mèche de devant. Et je ferai le reste hors caméra, je vous montrerai ce que ça donne avant de conclure la vidéo. Parce que là, je passe beaucoup de temps sur le vêtement. Je sais que vous avez été plusieurs à me demander de faire beaucoup de vêtements en vidéo. Donc, à chaque fois que j'en ai un que je me dis « Ah, ça pourrait être le fun », ben je le fais. Donc là, je vais utiliser mon autre stylo gel Sparkle Pop mauve. Et je vais venir rajouter du mauve dans cette tenue. Ah, oh, il est tellement beau celui-là. Il change de couleur. Et là, j'ai vraiment envie d'essayer les hybrides. J'arrête pas d'y penser. Je les mets dans mon panier, je les enlève du panier. Je les mets dans mon panier, j'enlève du panier. Mais vu que j'aime bien le stylo gel qui change de couleur, je suis certaine que je vais aimer les Pentel hybrides. Donc, peut-être que vous verrez ça prochainement. Hein? J'aimerais vraiment ça les essayer. Ah, ben avec le stylo gel, ça donne encore plus l'effet de cuir, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis satisfaite. Je crois que je vais faire son bâton tout avec le stylo gel mauve aussi. Pour quand même se garder une harmonie, une continuité. Le stylo gel, là, essayez. Je sais qu'il y en a qui ont de la difficulté avec ça. Mais essayez pas de colorier trop vite avec. Allez-y en petites portions comme ça et faites des petits mouvements circulaires. Ça va aider à pas faire de traces. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment pas le stylo gel parce qu'ils disent que ça fait des traces ou que ça remplit pas bien. Des fois, de venir mettre deux couches aussi, ça peut aider. Vous attendez que votre première couche soit bien sèche et vous repassez légèrement par la suite. Mais allez-y en petite. Vous voyez, j'avance doucement, je fais des petits ronds. Coloriez pas en faisant des lignes, sinon c'est là que vous allez voir des lignes et vous n'aimerez pas le résultat de votre stylo gel. C'est certain aussi qu'on a des qualités hein, de stylo gel. Il y en a qui font plus de traces que d'autres. Je vous mettrai ceux-là en barre d'infos, les Sparkle Pop. Moi, j'ai la grosse boîte qui m'avait été offerte par une abonnée. Mais j'avais commencé par m'acheter les Stardust. Et ben par la suite, il y a une abonnée qui m'avait offert la boîte. Donc, je vous mettrai la boîte en barre d'infos parce que les Sparkle Pop, ils ne font pas que des pailletés. Hein. Ils font les solars qui sont fluo. Et ils font aussi les genres de couleurs pastel. Donc, moi, je les ai tous parce que ça vient tout dans la boîte. Mais vous pouvez acheter que les pailletés. Je crois que ça vient en paquet de 12, là. Donc, je vous les mettrai en barre d'infos. Je les avais pris sur Amazon. Donc, voilà. Alors, pour son vêtement, je crois que c'est terminé. Moi, j'ai la fâcheuse habitude de toujours venir mettre des petits points. Et là, je le ferai pas parce que je veux pas que ça ait l'air qu'elle ait des paillettes. Je veux vraiment que ça reste comme ça pour vous donner l'effet cream. Donc, voilà pour le vêtement. Ensuite, on va passer aux cheveux. Je vais faire le sticule à la fin hein, pour pas m'accrocher dedans. Donc là, pour les cheveux, je vais garder encore du gris. On va pas aller chercher d'autres couleurs. Mais cette fois-ci, je vais utiliser. Je vous montre le combo que je vais utiliser. On va continuer avec du gris froid. Parce que moi, j'aime pas trop qu'il y ait une teinte de brun. La plupart du temps, là, dans mes gris, je prends toujours les gris froids. À moins que je vais le faire du bois, un effet bois ou quelque chose de plus naturel. Là, je vais y aller avec les gris chauds. Mais si je veux me faire un effet blanc, que ce soit des cheveux, des ailes, un vêtement, je vais toujours utiliser les gris froids pour faire ça. Donc là, je vais utiliser le 1063 qui est 50% gris froid et le 1059 qui est le 10% gris froid et mon blanc. Là, je l'ai nettoyé hein, parce qu'on l'a utilisé dans le noir, donc à faire attention. On va commencer avec le 1063. Donc, ben même principe qu'à l'habitude, hein, je fais toujours mes cheveux d'Annaline pareil. Je vais commencer foncé dans le bas et dans le haut de ma mèche aussi. Et je vais dégrader vers le centre de la mèche. Dans le fond, je vais mettre mes deux extrémités foncées. Et dans le centre, je relâche la pression pour venir intégrer
une autre couleur. Et on n'oublie pas qu'après avoir intégré une autre couleur, et là, je fais un dégradé seulement à trois couleurs. Hein, ben, c'est là, là. Faut faire encore plus attention quand on met plusieurs couleurs. Donc là, moi, je sais qu'il va y avoir juste une autre couleur. Et ensuite, je vais passer tout de suite au blanc. Donc, je peux élargir un petit peu la zone où est-ce que je vais dégrader. Mais si j'aurais eu plusieurs couleurs, ben je me serais arrêté un peu moins loin dans la mèche. J'espère que je vous explique ça comme il faut. Et là, comme vous voyez, je fais les deux extrémités avec celui-là. Je vais vraiment garder les deux bouts foncés et à l'intérieur, on va pâlir. Donc, je fais toujours, toujours, toujours mes cheveux comme ça. Des fois, ça va arriver que je vais partir du plus foncé au plus pâle. Mais c'est très, très rare. La plupart du temps, les analyses, je les fais comme ça. Si vous avez envie de voir un tuto de cheveux autre que les analines, parce que je les fais pas pareil, mettons dans mes Jasmine Beckett Griffith, je vais vous montrer, j'en avais fait des cheveux blancs. Vous allez voir que l'effet est vraiment pas pareil parce que le cheveu n'est pas travaillé pareil non plus. Mais les analines, j'aime bien faire ça, avoir le reflet en plein centre de la mèche. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne aussi, travailler différemment. Je vais vous montrer ce que j'avais fait dans mon jasmine et vous me direz en commentaire si ce tuto-là vous convient ou si vous aimeriez voir comment je fais les cheveux d'Anne-Fête. Je vous ferai un autre tuto. Vous me direz quelle couleur vous avez envie de voir. Là, ne me dites pas toutes les couleurs. Hein? Dites-moi ceux qui vous intéressent le plus. Parce que là, il va y avoir beaucoup trop dans le cours, hein, dans les jasmines. Ou si vous avez envie de voir toutes les couleurs, ben je pourrais faire une série. Mais c'est sûr, il va falloir être patient parce que je veux pas avoir... j'ai pas envie de faire plein de chevelures. Et après ça, me retrouver avec plein d'encours. Et des fois, quand je vais faire tout plein d'encours comme ça, si mettons je fais une blonde, une brune, une noire, une blanche... Des fois, si je les fais comme ça, là, ça me fait des encours. Mais quand je viens pour colorier mon coloriage, ben là, j'ai une autre idée. Mais là, je suis pognée avec des cheveux que j'ai déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il y a plusieurs couleurs, ben on fera une série. On fera ça. Donc là, je vais utiliser le 10% Griffois qui est le 1059. Et je vais dégrader avec celui-là. Mais je fais attention de me garder le centre de ma mèche blanche. Et vous allez voir que l'effet cheveux blancs, ça va vraiment être le fait de contourner vos cheveux. Si vous ne contournez pas, vous n'aurez pas l'effet d'avoir un cheveu blanc, vous allez avoir l'effet d'un cheveu gris. Et c'est pas ça que vous vouliez. Donc, on contourne. Il va falloir venir contourner, soit que vous le faites au Posca ou vous le faites au stylo gel. Allez-y avec ce que vous préférez. Sinon, on peut laisser des cheveux gris comme ça aussi, c'est très beau. Mais là, le tuto, c'était vraiment cheveux blancs qu'on m'avait demandé. Donc, on va les contourner. Donc là, vous voyez, je me garde le centre pâle. Et c'est vraiment pas long, hein, faire un effet cheveux blancs. Je vous le dis, c'est une vraie blague. Ça paraît beaucoup plus compliqué que ce ne l'est. Et si vous les auriez voulu encore plus pâle, parce que là, je me suis fait quand même une base assez gris. Vous auriez utilisé un gris un peu moins foncé. Donc, au lieu de prendre le 50% Griffois, j'aurais été avec le 30%. Mais j'aurais gardé quand même mon 10%. De toute façon, les Prismacolor, ils se mélangent tellement bien ensemble que même si on part dans des teintes assez éloignées, on arrive quand même bien à les dégrader. Donc là, je vais utiliser mon blanc et je vais terminer mon cheveu avec le blanc. Donc là, je vais vraiment dans le centre et je vais tout simplement effacer ma démarcation où est-ce que je me suis arrêtée avec mon 10%, mon Griffois. Et là, même si on a des grandes mèches comme ça, blanches, là, c'est pas grave. Hein? Si on a des grands endroits, c'est ça qui va nous donner vraiment l'effet d'un cheveu blanc. Tout simplement. Donc là, ben, hein, comme je vous ai dit, ça sert à rien que je vous fasse tous les cheveux en vidéo parce que ça va être toujours pareil. On part des deux extrémités, on dégrade jusqu'au centre et on utilise le blanc pour venir
relier le tout et effacer où est-ce qu'on s'est arrêté avec les gris. Donc, vous voyez, hein, on a vraiment un bel effet de blanc. Là, j'ai un petit point qui est apparu. Ça devait être un morceau de mon noir. Je repense mon blanc. Bon. Alors, là, moi, je vais utiliser mon Uniball. Hein, c'est mon préféré. Donc, je vais utiliser celui-là pour contourner. Donc, chaque morceau où est-ce qu'il y a du noir, je dois l'enlever. C'est ce qui va vraiment me donner l'effet d'un beau cheveu blanc. Donc, partout où est-ce que je vois qu'il y a des lignes noires, je passe mon stylo gel dessus. Donc, je vais tout tracer. Et c'est ça qui va vraiment donner l'effet lumineux du cheveu et qui va donner aussi l'effet du cheveu blanc. Donc là, on trace. Je vais vous laisser en musique hein, pour cette étape-là. Quand même que je pourrais quasiment m'en aller tout de suite hors caméra et vous montrer ce que ça donne. Mais comme je vous dis, hein, je vais faire tout le reste hors caméra et je vais vous revenir pour conclure la vidéo pour que vous puissiez voir vraiment l'effet complet du cheveu. Et je vais aussi vous montrer les cheveux blancs que j'avais fait dans mon Jasmine Beckett pour que vous puissiez comparer aussi. Tout dépend de la façon qu'on va travailler le cheveu. Mais les annalines, moi j'aime bien les faire comme ça, étant donné que c'est toutes des sections. Tandis que les Jasmine Beckett Griffith ne sont pas faits de la même façon. Faut vraiment venir créer le cheveu presque. Faut venir y rajouter des lignes. Donc, vous allez voir de toute façon quand je vais vous montrer l'image. Et là, je viens de me rendre compte que mon Jasmine Beckett Griffith est dans mon salon. Donc, je vais devoir aller le chercher. Je ferai ça en même temps que je vais finir les cheveux. Et j'aime bien le style d'avoir un cheveu blanc avec un vêtement de cuir. Je ne sais pas pourquoi. Je trouvais que ça fitait super bien ensemble et ça tombait bien parce que on m'avait demandé cheveux blancs et vêtements de cuir. Donc là, je cherchais. Et là, je savais, moi, que je voulais faire ce colo-là, ce mois-ci. Je sais même pas si je vous l'avais montré dans ma pack. Je me suis rajouté des dessins à ma pack. J'en ai pas enlevé, j'en ai rajouté, bien évidemment. Et je sais pas si je l'avais montré, lui, dans ma pack. Je pense que non. Mais là, quand j'ai vu lui, ça m'a flashé. Je me suis dit, ça fit pour le tuto. Je vais faire des cheveux blancs puis un vêtement en cuir. Je suis contente de l'avoir fait. Je suis un peu déçue de mon filet ici, là, mais bon. C'est pas plus grave que ça. Hein? On peut pas toujours avoir la perfection. De toute façon, c'est bien loin d'être la perfection, Nicolas. Loin de là. Ça m'a amusé. Donc, c'est ça l'important. Il faut s'amuser. C'est le premier but du coloriage, se détendre et s'amuser. Ça, c'est long à faire, par exemple, cette étape-là, là, tout contourner, surtout au stylo gel. C'est beaucoup plus long de le faire au stylo gel que de le faire au Posca. Mais je trouve que l'uniball blanc est beaucoup plus blanc que le Posca. Donc, c'est pour ça que j'utilise l'uniball. Parce que je le veux vraiment blanc pur. Pur. Ce qui est difficile avec le stylo-là, c'est de vraiment pas faire d'encoche. Je sais pas ce que je m'explique comme il faut, mais d'avoir vraiment des belles lignes sans encoche, là, sans des... Comment je peux vous dire ça? Vraiment une belle ligne droite. Pas de petits morceaux, là. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Mais, genre, pas d'écorchure sur ma ligne. Et c'est pour ça que je viens toujours repasser. C'est pas parce qu'il écrit pas bien, hein. C'est vraiment pour avoir une belle ligne sans encoche dedans. Donc, je repasse pour que ce soit toute une belle ligne. Je sais pas trop comment vous l'expliquer. Moi, puis les explications.
là, je vais embarquer un petit peu sur mes cils. J'ai pas envie de faire la petite mèche qui passe comme ça. Et là, je pense pas que c'était son front, hein. Ici, là, je crois que c'était des cheveux. Ce n'est pas une erreur. C'est moi qui ai décidé que je faisais son front parce que c'est moi qui ai rajouté le sourcil. J'avais envie qu'elle ait un trou dans ses cheveux. Je sais pas, j'ai envie de faire ça. Et puis, j'ai vu qu'il y avait une petite ligne et ça va me permettre de faire juste une petite mèche blanche. C'est pour ça que j'ai décidé de faire son front ici. Mais je pense que c'était vraiment fait pour que ça aille tous ses cheveux. Je vais entrer ici. Vous voyez la petite mèche en question, là, elle est là. Moi, j'ai envie de faire juste une petite mèche blanche comme ça. Vous voyez ce que je veux dire par encoche? Il n'est pas droit à droit. Je veux que ce soit droit. C'est pour ça que je repasse. Donc voilà ce que ça donne un coup que c'est contourné. Vous voyez que c'est vraiment différent que si on ne l'aurait pas contourné. Ça ne nous aurait pas donné le même effet. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire mes éclats blancs dans mes yeux. Je vais devoir le faire. Je le ferai hors caméra. Vous allez le voir quand je vais revenir. Donc là, je vais aller compléter mes cheveux blancs. Aller chercher mon livre de Jasmine Beckett Griffith pour ne pas oublier de vous le montrer. Pour que vous puissiez voir la différence. Vous allez voir mieux que je vous l'explique comme ça pour que vous voyez la différence de la façon qu'ils sont travaillés les cheveux. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous convient comme ça ou si vous avez envie aussi de voir un cheveu blanc dans les Jasmine Beckett Griffith. Voilà. J'ai encore dit voilà. Je veux arrêter de dire voilà. Donc là, je vais compléter ça et je vous reviens. Donc, me revoilà. Finalement, j'ai terminé le colo en entier. Ça vous donne une idée de ce que ça peut donner quand on a tout contourné les cheveux en blanc. Moi, je trouve que ça donne vraiment l'effet cheveux blancs plutôt que si on ne les contournerait pas. Mais bon, ça, c'est au choix. Donc, vous les contournez si vous en avez envie. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est appliquer le sticule. Et j'avais dit que je le ferais avec vous. Donc, j'ai gardé ça pour la fin. Donc, je vais mettre pas celui-là. Je vais mettre du doré pour Belle, qui est celui-ci. Et je vais mettre du argenté pour notre genre de femme de l'espace. Donc, on va commencer tout de suite sur ce côté-là. Comme ça, je vais être certaine de pas accrocher quand je vais venir. Je vais commencer avec le Liquid Pearl. Parce que je vous avais dit que je voulais en mettre parce que j'avais une petite idée. Donc, ce que je veux faire, c'est faire comme s'il y aurait des clous. Ben, pas des clous, mais je sais pas c'est quoi le mot en français. Donc, quand vous allez voir ce que je fais, vous allez sûrement comprendre. C'est certain que vous avez déjà vu ça sur des vêtements. Donc là, je fais que des petites boules, hein. Comme quand je vous ai fait le tuto avec les ailes, on avait fait le tour avec les liquid pearl blancs. Mais là, c'est la même chose. Dans le fond, je vais faire des lignes de petits points. Donc là, je les laisse se placer tout seul. C'est certain, ils vont rester un petit peu en relief, mais ça va diminuer en séchant. Et j'ai aussi fixé mon colo. Parce que, ben, comme je vous ai dit, je ne sais pas si c'est tous les fixatifs, mais moi, le mien, à chaque fois que je mets mon fixatif sur mes brillants ne brillent plus. Je ne sais pas pourquoi, là, si c'est mon fixatif. Dites-moi si le vôtre aussi fait ça, si vous fixez vos polos. Au début, je ne les fixais pas, mais maintenant, je fixe tout comme ça. Je suis certaine que j'ai pas de transfert de couleurs ou des couleurs qui s'étendent. Parce que moi, je mets pas de feuilles pour protéger mes colos quand je ferme mes livres. Puis des fois, quand je rouvre mes livres, quand ça fait longtemps, ben les couleurs s'impriment
sur, mettons, la page blanche ici. Ou des fois, on dirait que les couleurs se sont mélangées avec les autres. C'est pour ça que maintenant, je fixe tout comme ça, ben ça fait plus ça. Petite anecdote. Pas anecdote, petit truc que je pense que je vous l'avais déjà dit. Donc là, on va prendre le stickle argenté et là, je vais tout simplement faire des petites lignes. Où est-ce que j'ai mis du stylo gel? Pour avoir un effet encore plus pailleté. Donc là, je vais en mettre seulement sur le argenté par contre. Là, vous voyez que je viens dans le centre. Dans le fond, je vais m'amuser un petit peu avec mon stickle. Moi, je m'amuse toujours à cette étape-là. Ben, je m'amuse tout au long du colo, là, mais c'est une de mes étapes préférées, venir faire les finitions comme ça avec les autres. Là, j'ai accroché mon liquide pearl. On ne devrait pas parler que ça sèche. Donc, ouais, c'est ça ce que je disais, c'est que je m'amuse toujours à faire les finitions. J'aime bien utiliser les sticules. Je sais pas, moi, le glossy accent. Ces petits trucs-là. J'ai toujours hâte d'être rendue là quand je fais le colo. Donc là, ben, je mets quelques petites lignes de paillettes. Là, je crois que je vais laisser ça comme ça. Et là, j'aurais aimé en mettre sur le bâton, mais là, j'ai l'impression que je vais accrocher. Je vais essayer, mais je suis pas sûre. Puis là, je veux juste faire une ligne, donc essayer de travailler rapidement sans rien accrocher. Ça, c'est mission presque impossible. Habituellement, à chaque fois que je fais une application de sticker, je me mets la main dedans. Puis si je m'accote pas, ben là, je m'en vais tout croche. Fait que là, je peux pas m'accoter parce que j'ai mis mon sticker là. J'aurais dû commencer par le bâton. J'aurais pu aussi attendre que ça sèche, mais là, c'est parce que j'ai envie que vous voyez où est-ce que je vais appliquer le sticker. Je crois que je vais en mettre juste sur un côté. J'aime bien l'effet que ça donne comme ça. Donc, je vais m'arrêter là pour cette poupée-là. Et maintenant, je vais venir faire Belle. Je pense que c'était à prime abord Cendrillon que Annaline, elle avait dessiné. Et moi, j'avais envie de faire Belle. Ça aurait fait trop bleu si j'aurais mis Cendrillon. Déjà que je savais que je voulais mettre mon fond bleu pour faire comme un fond ciel, un ciel étoilé. Donc, j'avais pas envie d'avoir en plus un personnage bleu. Là. Donc là, ben, je fais des petits points avec mon stickle doré pour son petit bustier. J'en fais des gros, j'en fais des petits. Et là, j'en ai presque plus, donc... Il est difficile à peser. Il me donne mal dans le poignet. Ding, 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 ding. En tout cas, je peux vous dire que je suis pas fâchée de l'avoir fini. Parce que je l'ai trouvé long à faire, ce colo-là. J'ai adoré faire cette poupée-là, mais je me suis pas amusée sur l'autre. Je sais pas pourquoi, mais elle, j'avais vraiment une idée en tête. J'avais envie de faire le cuir et tout ça. Puis quand j'arrivais à elle, je m'amusais un peu moins. J'avais hâte de la finir, puis ça a été long, faire l'effet doré. Puis tout. Pas fâché qu'il s'est fini. Et là, je vais contourner toute ma couronne aussi. Aïe! Il est difficile à sortir. Bon. Est-ce que je... J'étais un petit peu plus. Peut-être juste faire ça comme ça. Pour pas que ce soit trop rond. Faire un plus un effet de paillettes, mais pas rempli. Ouais, ça je vais faire. Je trouvais que ça faisait trop rond sur le bustier. J'aime mieux que ce soit... comment on dit donc? Il est rendu tard. Hein? Là, je vous filme dans la nuit parce que je voulais absolument le finir. Et puis, de toute façon, je ne m'endormais pas pour faire changement. Donc, je cherche mes mots. Déconstruit, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire un bon mot. Je ne sais même pas si ça...
Ça fonctionne pour ce que je suis en train de faire. Là, dans le fond, je vais faire comme tout plein de petits points de sticules. Parce que j'aimais pas trop l'effet que ça faisait avec les petits points tout juste. Là. J'aime mieux comme ça, ça fait un effet que vraiment son bustier est plus comme en paillettes. Donc, je crois que je vais m'arrêter là, ces paillettes. Hein, il y en a assez. Faut pas exagérer non plus. Peut-être, là, si vous avez vu, j'en ai mis un petit peu sous ses yeux. Je crois que je vais faire la même chose sur elle, mais avec le doré. Et là, je vais avoir de la difficulté. Je veux pas que ça sorte trop. Je veux juste un petit peu de paillettes. Juste pour dire, j'en ai fait tomber une goutte et je l'éteins. Parce que je veux pas avoir une grosse ligne de paillettes. Là, on fait sortir une petite goutte et je l'éteins. Bon. Donc voilà, je crois que c'est terminé. Je voulais peut-être mettre du glossy accent dans ma lune, mais je suis pas certaine parce que le glossy accent fait mum. Il fait beaucoup gondoler les feuilles d'Amazon, donc je pense que j'en mettrai pas. Ça aurait été beau, par exemple, dans la lune, mais bon. Je crois que je vais le laisser comme ça. Il est déjà bien assez rempli. Je suis satisfaite. J'espère que vous avez aimé l'effet cuir. Dites-moi ce que vous en pensez. Je regrette un petit peu d'avoir mis le liquide pearl. Je sais pas si je serais capable d'enlever avec un pinceau. Moi, je fais tout le temps toutes sortes d'affaires de même. Des fois, je veux trop en faire. Je pense que c'est ça. Là, j'ai pas aucun pinceau qui est propre, bien évidemment. Ça, c'est moi. Ils sont tous secs. On est obligé d'aller m'acheter encore des pinceaux. Ah, lui, il est mou, mais il est vraiment gros. Est-ce que... Ah! Je savais, hein, que j'allais me mettre le doigt dedans. C'était écrit dans le ciel. Si vous regardez dehors, c'est écrit « Zazu va mettre son doigt dans son sticker ». Regardez, là, par la fenêtre, vous allez voir. Je veux les enlever, les liquide pearl, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Hein? Là, je vous vois derrière votre écran dire « Fais pas ça !» Le sec. Est-ce que ça marche? Non, il est déjà en train de sécher. Je ne peux pas l'enlever. On dit. Ben, écoute, il va rester là. On va les croiser un peu. Ça va être plus beau peut-être. J'ai fait une dame motard de l'espace. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, je suis en train de faire des niaiseries. Là. Je vais abîmer mon colo. Puis tout le temps que j'ai mis dessus, ça me tente pas. Donc, je vais endurer le liquid pearl comme ça. Donc, je vais m'arrêter là, hein, comme je vous ai dit. Je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous aimez l'effet cheveux blancs. Ah oui! Je m'en allais oublier encore. Je vous avais dit que j'allais vous montrer celui dans la semaine Beckett Griffith. Je m'en allais vous dire bye, là, puis je ne vous l'aurais pas montré. Donc, où est-ce qu'il est? J'avais fait, vous voyez? Je vais vous montrer. Bon, c'est pas mal semblable. C'est juste que, là, je vous fais bouger. Je suis désolée, j'accroche mon fil. C'est semblable un peu. C'est juste la façon que... ça sera pas long, je vais me placer, je vous fais plus bouger après, je suis désolée. C'est parce que mon fil est là, hein, parce que sinon je vais manquer de batterie. Donc, ben c'est ça, ouais. C'est juste la façon qu'ils sont faites. Dans le fond, lui, il est travaillé en donnant des coups de crayon. Et j'ai juste retracé tout ce qui était cheveux noirs pour que ça donne l'effet blanc. Tandis que lui, on a fait un dégradé et on a contourné. Donc, dites-moi, est-ce que ça vous convient comme ça? Je crois que vous allez être capable de le réaliser quand même dans d'autres colos. La seule chose que vous faites, vous reprenez le même combo et vous faites des lignes. Vous partez du haut, vous partez du bas et ensuite, ben vous venez enlever tout ce qui est... voyons... ligne noire du colo. Donc, dites-moi si jamais vous avez envie de voir l'effet blanc comme ça sur un jasmine, ben je vous le ferai. Ou s'il y a d'autres couleurs que vous avez envie de voir, dites-moi aussi. Et ben comme je vous ai dit tout à l'heure, on se fera une série au pire.
Donc là, c'est vrai, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.